Je ne voudrais plus qu'on me catalogue danse africaine ou bien voici la danse africaine, non, parce que je n'ai jamais vu personnellement dans un endroit où on écrit danse européenne. Pour moi, faire évoluer ça dans ce sens-là, pour moi, c'est très important. C'est-à-dire déporter la danse africaine vers dans un univers où on dit, mais attends, on n'avait pas vu ça venir, on n'avait pas vu ça comme ça. En fait, vous avez vraiment une capacité, une grosse richesse à fournir dans le monde. Un, aller vers le public qui n'a même pas l'habitude de venir dans les salles de spectacle, c'est-à-dire faire des spectacles dans les rues comme cela. Deux, penser toujours à nouveau les choses, c'est-à-dire quand tu proposes une œuvre, la prochaine œuvre que tu vas proposer, il faut que ça soit toujours dans l'évolution. Il ne faut pas que ça soit en arrière, sinon ça sera catastrophique. Du coup, il faut aller vers les gens, il faut faire beaucoup de recherches, il faut pousser, il faut oser. Moi, j'adore toujours utiliser ça. Il faut oser, on est jeune, on a la capacité, on a la force. Et du coup, c'est toute cette force-là ancrée en nous qu'on doit oser dans le présent pour construire l'avenir. Parce que l'avenir, ce n'est pas dans le futur. Le futur n'est qu'un alibi, c'est juste un mot comme ça, c'est illusion. À un moment donné, il faut pacifier nos mémoires, c'est-à-dire il faut passer à autre chose. Mais pour moi, il est très, très important de revenir à l'histoire et de rendre cet hommage à notre patrimoine. Pour moi, ce n'est pas une histoire de gris-gris ou de sorcellerie ou de revenir au rite barbare, mais c'est une histoire d'être ancré dans ma tradition, parce qu'on est dans une société qui veut dénaturer les êtres. C'est vrai que dans cette création, particulièrement, il est assez physique parce que c'est tellement, tout est métaphorique, tout est ironique là-dedans. Donc du coup, la pièce en elle, c'est une jungle, mais il ne s'agit pas de mettre la jungle ou le désert en scène. Il s'agit juste de suggérer les choses. Et du coup, moi, mon corps, en ce moment, devient une bête, c'est-à-dire une proie où je suis entouré des prédateurs. Et les prédateurs, c'est ceux que vous dites, ceux qui dirigent le système, justement. C'est eux les prédateurs et nous sommes des proies. Et moi, dans le départ, je dis, je rêve. Je rêve à un moment que des proies pour chasse des prédateurs et on sera plus libre. Donc c'est pour ça que là, je me sens dévoré dans un système, je me sens vraiment oppressé, compressé dans un système injuste et moi je ne vais pas croiser les bras parce que je dois lutter pour l'avenir, pour ceux qui vont venir nous suivre, parce qu'il faut qu'ils suivent un bon modèle, comme nous on suit le modèle de Mohamed Ali, de Nelson Mandela. Il s'agit de penser justement le mouvement hip-hop autrement et de le déconstruire. Moi, je suis toujours dans la déconstruction. Comme je fais ça, par exemple, ça c'est du waving dans le temps normal, ça c'est du waving. Mais moi, quand j'ai fait ça, je suis dans cette espèce de corps qui cherche à s'enfuir, voilà, parce qu'il est compressé, parce qu'il veut, il trouve. Donc, il y a tout ça. Le hip-hop a beaucoup de matériaux, le hip-hop a beaucoup de mouvements, mais à déconstruire, tu vois, il y a des trucs saccadés, il y a du crump, il y a du popping, il y a des hits, tout ça. Et comme moi, je suis toujours en rapport avec le sol, il y a du breakdance, il y a. Ouais, mais moi, je trouve que c'est magnifique. Moi, j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout. C'est comme un gâteau, là, j'ai tout autour de moi, et puis je demande encore le gâteau ailleurs. Voilà le gâteau ici.